Mario, Super Mario, Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. It's Super Mario World, you got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. In Super Mario World, it's a blast. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas fait de méchanceté à qui que ce soit dans le royaume. Au moins depuis hier. Il faut que je trouve une idée diabolique digne de moi. Ainsi, ces stupides habitants me craindront et m'obéiront beaucoup plus facilement. Je leur montrerai qui est le maître. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai appris dans le monde réel? Je crois me souvenir que les habitants de ce monde si triste étaient sous le contrôle d'un appareil qui réduisait leur cerveau en bouillie. Cela s'appelait... la télévision. Mais il n'y a pas la télévision à l'âge de pierre. Elle n'a pas été inventée. J'ai une idée assez diabolique. Vous vite venir voir. Ça va être incroyable. Ça alors, c'est vraiment extraordinaire. Je n'en crois pas mes yeux, Luigi. C'est la plus grande télé que j'ai jamais vue. Mais Mario, il n'y a rien. Ils ne l'ont pas encore branché. Dépêchons-nous, ils arrivent. Je vais leur parler immédiatement. Bienvenue à tous, je m'appelle Rob Rock. Je vais vous montrer quelque chose de fabuleux. Une révolution. Voici TV Rock. Moi, pas du tout comprendre quoi il y en a à être Rock TV. Rock TV, petit primitif, c'est génial. Sur Rock TV, vous pouvez assister à de merveilleux spectacles assis tranquillement dans vos fauteuils de pierre. Pourquoi ne pas voir directement le roi Bowser comme si vous y étiez? Funabonga! Vous pouvez voir en direct la lutte intensive de deux dinosaures. D'accord, d'accord. La prochaine fois, je vous montrerai un combat réel. Pour l'instant, voici un spectacle de danse. Ah ouais, super Dino Bonga! Avec l'immense star venue de l'âge de glace, Mr. Freeze! Bravo, Gabonga! Maintenant, voici la bonne nouvelle. Vous aussi, vous pouvez posséder Rock TV et profiter tranquillement de ces merveilleux programmes. D'accord? Mais comment faire, Mario? Plus important, dites-nous combien ça coûte. Combien ça coûte? Tiens, c'est un bon titre, ça. Bref, regardez bien, cette Rock TV, c'est une coupe à Sonic. Et elle ne coûte que la modique somme de 10 pièces de monnaie. Et d'une pièce par minute pour qu'elle fonctionne. Seulement 10 pièces de monnaie? C'est vraiment pas cher. Une pièce par minute, Mario? C'est du vol. Rappelle-toi les ennuis que nous avons eus dans le passé avec la compagnie de téléphone. 1 295 $ et 31 cents? C'est pas vrai! Oui, à cette époque, on travaillait dur, alors qu'aujourd'hui, on est payé pour tailler quelques pierres et passer le râteau, c'est beaucoup plus cool. Suivant! Dis, tu as vu, ses lèvres ne bougent pas, je trouve ça bizarre. Ce n'est rien, crois-moi, je te trouve un peu trop méfiant. Il imite un personnage de dessin animé. 10 palourdes, je veux dire 10 pièces de monnaie. Palourdes, pièces de monnaie, vieilles chaussettes, j'accepte tout. Voici votre Rock TV, cher monsieur, passez une bonne journée. Mais, c'est vide. Judicieuse remarque, mais inutile. Il faudra un peu de patience pour avoir un tube cathodique. Mettez juste les pièces, donnez un coup de pied à l'arrière et appréciez le spectacle. Très bien, regardez dans la télévision. Yoshi et moi, nous allons nous promener. C'est-à-dire... Waouh! Bon, t'inquiète pas, Yoshi, on te racontera. Wow! Bowser dit que c'est l'heure de votre programme préféré, le fameux coup aérobic. Regardez bien, faites comme moi. Un pied devant l'autre pour faire fondre votre graisse. On s'étire et on s'étire. Maintenant, Bowser dit sautez de haut en bas en remuant vos bras. Le tout en rythme. Plus vite, plus vite.
Bowser dit, vous allez caqueter comme des poules. Là, on s'y croirait. Bowser dit, voici un jeu réel auquel tout le monde doit participer. Écoutez donc, attentivement. Zut, ma télé est cassée. Il fallait mettre une pièce. Bowser dit, tout le monde va au château de Mario et Luigi. Capturez-les, puis vous me les livrez immédiatement. C'est vraiment de la camelote. J'entends des cris. Ce sont les habitants de la caverne, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ah, ces chers imbéciles, le pouvoir de la télé est surprenant. Ils vont faire de vous des nouvelles stars. Merci beaucoup, traître. Des nouvelles stars. Quel est le programme? Vous allez être les stars de l'équipe de catch, les plombiers préhistoriques. Bien. Bienvenue à tous les supporters de notre superbe équipe de catch. Un spectacle grandiose, digne des gladiateurs, vous attend. Le combat, les combats, la course à la vie. Dans le coin, menaçant comme un lion. Fort de ses 200 kilos, il est là. Paisible sûr de lui, l'immense, que dis-je. L'extraordinaire force de la nature qui s'annonce tel un orage terrifiant, tel un raz-de-marée dévastateur. Le redoutable étrangleur des cavernes. Le dominateur exterminateur. Le top du top, le type du top, c'est le top. Cesse immédiatement ton baratin. Attends, pitié, laisse-moi finir. Juste un mot, c'est promis juré. Donc, je disais, dans le coin attendent nos deux tyrans, nos ors. Ils s'imposent de leurs deux maîtres, tels des menhirs frappés par la grâce des dieux. Merci beaucoup, merci vraiment. Et dans l'autre coin, tout droit sorti du monde réel, d'un quartier sordide nommé Brooklyn, ils font un peu de peine à voir, je vous l'accorde. Et donc, ces deux humains fragiles sont les frères. Les frères, peu importe leur nom, personne ne s'en souviendra. Mesdames et messieurs, je vous présente les frères Mario. Encouragez-les comme ils le méritent. Alors Salut, tu viendrais pas à Jurassic Park? Dis donc, Luigi, ce catcheur est plutôt gigantesque! Ne t'inquiète pas, Mario. Regarde, il veut te serrer la main. Je crois bien qu'il veut être ton ami. Ah, bravo, ça c'est du bon sens. J'ai toujours voulu être pote avec un reptile, c'est cool. Ah, yeah! Luigi, viens m'aider! J'ai l'impression qu'une montagne m'est tombée dessus. Ces brutes vont nous casser en deux, Luigi. Il va falloir ruser. Oh, je veux bien te croire, mais comment? Oh, c'est vraiment épouvantable. Yoshi, il faut absolument les aider. Regarde là-haut. J'ai une idée. Il faut trouver une plume dans ces blocs. Yoshi, tu peux les atteindre? Yoshi est très rapide et très fort. Princesse, montez sur moi. Yoshi avoir envie de manger. Dis donc, toi, être un dino très stupide, toi, pas confondre ma Rock TV avec repas. Oh, Yoshi, vraiment désolé, mais Rock TV a beaucoup bon goût. Mais il y en a à voir quelque chose à l'intérieur, au cas où. Encore bon repas pour Yoshi. Très bonne idée, princesse. C'est
C'est gentil, Mario. Grâce à tout ça, nous avons pu faire échouer les plans de Bowser. Il mange encore ? Hey, arrête, enfant ! Tu détruis mon palais ! Stop ! Tu vas m'écouter, non ? Désolé, Bowser, pas s'inquiéter. Yoshi tout mangé pour délivrer Bowser. Alors là, vraiment, on aura tout vu. Merci beaucoup.